Bag it. I'm gonna pop some tags. Only got $20 in my pocket. I'm looking for a come up. This is freaking awesome. I'm gonna pop some tags. Only got $20 in my pocket. On va fermer le quad. Et là, le moment de vérité, dépanneuse, by permanently. Les gars, Mamadou est désormais officiellement le dépanneur de Kavala. Ça sent bien, ça jettit, ça boit, ça fait la plaisir, ça t'habille. Est-ce que c'est un collègue? Oh non! Mais non, mais à chaque fois que je passe par cette rue, c'est bouché. Merde! Putain! Tu sais quand tu rentres chez toi? Tu prends un raccourci et bam, il y a des travaux. Il y en a jamais. Mais là, il y en a aujourd'hui. Là, ils ont décidé de te les mettre. Putain! C'est un complot. Messieurs, la route est barrée. Vous pouvez faire tour. Ça n'a rien d'être fait. Mais allez, mais s'il te plaît, policier. Mais non, mais je dois vraiment y aller, là. Ah, monsieur, juste une petite question. Moi, ça... Mon métier exige que je me rende au vendeur. Je ne peux pas exercer mon métier de dépanneur. Alors monsieur, comment nous faisons nous, la pauvre gens, pour travailler? Ah monsieur, je suis désolé, mais la carte, le magasin général va être fermé. Vous pouvez pas prendre de sacs, ni rien, mais vous pouvez toujours vendre vos pêches ou... Est-ce que j'ai une tête à vendre de la pêche, moi? Ce n'est pas ma formation. À t'aider, j'ai dépensé d'un millier d'euros pour faire l'achat de ma super dépanneuse, le modèle A623 avec un dépôt d'échappement chromé à l'arrière. Alors vous, qu'est-ce que vous me dites? Je ne peux pas aller acheter ma kit de réparation, ce n'est pas bien, c'est... Adixem. Je suis désolé, monsieur, vous attendez. Attendez, s'il vous plaît. Vous attendez, vous pouvez attendre pour 30 minutes, parce que là, si vous rentrez dans cette zone... c'est la fin du monde, donc évitez de rentrer dans cette zone, s'il vous plaît. Dès que cette zone sera plus condamnée, vous pouvez y aller. Dans quoi? C'est dans combien de temps? Environ 20-25 minutes. Ah ouais, c'est long, moi, j'ai... Oh là là, c'est pas possible, ça. Comment j'en vais dire ça à ma femme, moi, c'est un nul. C'est les heures de mes supérieurs. Écoutez, monsieur, au lieu de rester ici à vous lamenter, vous pouvez aller au magasin général de Atira. Hein. Bah oui, j'essaie, mais c'est loin, mais oui, je vais y aller. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur Naki Pickman? Votre super dépanneur. Est-ce que vous connaissez un taxi? Non, je connais pas du tout. Bah, je vais pas vous emmener à Tira, mais le problème, c'est que j'ai pas de lunettes de vision nocturne. Si il commence à faire nuit, moi, je pourrais compter uniquement sur les phares. Bon, la moitié avec moi, on va à Tira. Bon. Bah, le problème, c'est que c'est ma faute. Vous allumez vos feux, monsieur. Moi je sais, mais bon, le feu. Voilà, montez. Avec vous, monsieur Nixem. Voilà, montez. Non, mais c'est à cause de moi, en fait, tout ce qui vient de se passer, là. Ah, c'est à vous, ça, ma belle madame. Mon véhicule a explosé, devant tout le monde. Non. Mon véhicule a explosé devant le... Il y a eu un gros bug, et voilà, tout perdu. Donc, en direction à Tira. C'est parti, pour une longue route, vous avez pris des sandwichs. Je n'ai pas pris à manger, vous avez de quoi? Je vous entends Superman, par contre j'ai un petit problème d'audition. Si vous pouvez pas aller dans le véhicule, s'il vous plaît. Ouais, est-ce qu'on vous m'entendez mieux là? Ah oui, c'est bien, j'ai réglé mon oreillophone. On appelle ça un sonotone, mais si tu veux c'est oreillophone, ça va, c'est beau. On peut se tutoyer, peut-être la route va être longue, hein. Bah y'a pas de soucis, je te tutoie alors. Voilà. Par contre, est-ce que je peux rentrer? Parce que là, j'ai vraiment froid dehors. Bah tu es dedans là. Moi je te vois dedans. Non, mais je suis de... Je suis dans la remorque en fait. Ah oui, d'accord. Vas-y, tu peux sortir normalement. J'avais pas fermé le véhicule.
Charbonne, là, charbier. Ah. Non, il fait froid, hein. Ah oui, là, le chauffage. Tu travailles depuis longtemps dans ce métier, c'est bien dépanneur ou... Non, je reviens de commencer, là, mais je découvre les aléas du métier. Parce qu'il faut, évidemment du matériel, la douceur. Ça pas drôle, hein. Ouais. D'accord. Bah c'est sympa de faire taxi en même temps, ça m'aide beaucoup. Ah tu fais taxi toi? Que tu fais taxi toi? Non, moi je sais pas. Ah bah non, moi je cherchais un taxi depuis tout à l'heure. Ça fait 10 minutes que j'ai pas un taxi en fait. Bah t'as un dépanneur taxi, c'est bien aussi, hein. Bah oui, c'est bien, c'est un bon métier. C'est un métier d'avenir. Ça vous dit que sinon je vous laisse le volant quand vous conduisiez, parce que je dois téléphoner là. Ah bah y'a pas de soucis. Ok, si c'est très gentil, désolé. Ah si, j'ai permis, c'est bon. Ah bah oui, moi aussi. Permis. Oh là là, vous avez pas vu, on voit à peine les barrières, chaque fois il les écrasait là. Oh, on était le caca, je n'ai pas de truc de réparation. C'est gentil à vous, hein. Je vais téléphoner là vite fait, et puis je reviens tout de suite, hein. C'est gentil, c'est. Yeah. Allez-y, téléphone, n'ayez pas de soucis. Donc, ce qui s'est passé, pour jouer avec quelqu'un qui demandait un résumé, c'est qu'on j'étais tranquille. Au bout de seulement 3h30 de live, j'avais enfin ma licence et ma dépanneuse. Et j'avais besoin de kit de réparation, j'y suis allé au magasin. Et bah comme de par hasard le truc avait explosé, à cause de notre acolyte qui est là. Donc là on est parti pour aller à Attira. Alors Attira, je vais même pas me regarder la carte tellement ça me fait mal. C'est là. Voilà. Donc on vient de là, on est là, et on va là. Donc autant dire que... C'est la caca. C'est la gros caca. Vous faites combien à peu près des dépannages, ça va être intéressant par la suite? Ah là, j'ai jamais pu déponner personne. J'allais m'équiper, j'allais commencer mon rôle de la vie de dépanneur. Un grand avenir s'ouvrait à moi quand tout à coup, une barrière policière m'a cassé mon destin. Et me voilà en route avec vous jusqu'à Attira, c'est du caca. Faut juste que je pisse pas la fenêtre, j'arrive. What? Non, faut pas suspecter tout le monde. Qu'est-ce qu'il fait? Pisser par la fenêtre? Il me fait peur ce con. Il est en train de pisser. C'est trop bien trouvé. Putain. Alors, vous faites... Putain. Vous faites la pipi, là? Je crois qu'il pissait vraiment. Vous faites la pipi, là? J'en veux pas vous déranger si vous faites pipi, c'est juste pour savoir. Il est vraiment en train d'aller pisser. En fait, le mec, il avait besoin de faire un truc IRL. Et il a trouvé le prétexte d'aller pisser. Tellement bon. Mais tellement bon. Et moi, je l'attends, genre sa femme. T'sais. Je suis la femme qui attend. Bon, bah voilà. tout ça. Il a dit la loue. Bon, Chari, tu reviens. T'as fini de faire pipi? Là, il court en arrière. What the fuck? What the fuck? What? Ah! Wow! Jean, putain! Ça fait du bien! Ça fait du bien! Ah oui, ça fait du bien! Ah ouais, ça fait du bien! Ça. Énorme! Énorme! Première fois qu'on fait le coup du mec qui va pisser. Genre, le mec, il devait aller se gratter les couilles dans la vraie vie, il s'est dit, bon, bah, je vais pisser dans le jeu, puis voilà! On va profiter pour s'habiller. Oh! Mamadou Overswaggy! Là, si je suis pas sexy avec ça, ils sont les pas. Vous avez vu mon nouveau cartable, il est bien, hein. Franchement, je suis trop swaggy comme ça. Là, j'ai la classe, hein. J'ai mon nouveau t-shirt rouge que ma maman m'a acheté pour la rentrée. J'ai tout. J'ai le compas. J'ai le stylo big 4 couleurs. Je suis prêt pour l'école. Je disais, je vais faire de la publicité pour les... Je vais mettre des affiches dans la rue pour faire de la pub. Pour mon entreprise de dépannage. D'accord. Il n'y en a rien à battre. Oula. Ça c'est un mec armé, qui est en mode rebelle, et on va vite s'en aller. Vous voulez que je bouge, c'est ça? Vous voulez me quitter?
Non, non, c'est pas ça. Mais c'est pas ça, c'est juste que vous avez vu, il y avait un rebelle armé. Monsieur le policier, monsieur le policier, s'il vous plaît. Monsieur le policier. Monsieur le policier. J'ai des pulsions. Il y a un mec, il y a quelqu'un qui est armé qui court là dans la forêt, juste ici à côté de l'église. Il y a quelqu'un qui est armé avec une très grosse arme, hein. Plus grosse que la vôtre. Il a une K, il a une K-147. Chut, pas trop fort. Mais si il est peut-être à côté, va nous entendre. Bah venez, ma chère. Attendez. Venez ici, là. La télé. Chut, la télé, là. Elle était par là, je crois. Ouais, c'était là. Derrière. C'était là. Ouais, c'est vrai, parce que là, moi, je vais pas lui lancer des cailloux, hein. Je suis en opération policière actuellement. L'adrénaline est à son comble, hein. Prends des photos pour ma famille. Ouais, partage sur Facebook, vas-y, c'est bon. Two, fall back. Rally up. Il est tout proche, hein. Snipe flash, ouais, les grosses balances, j'avoue. On est des grosses balances. Oulala, je fais le mec. Bah, j'ai mis ma tenue de camouflage. On ne me voit pas du tout. Je me confonds dans le paysage. Monsieur, ne restez pas là, pour votre sécurité. D'accord. Retenez de votre véhicule avec votre collègue et d'accord. Repartez. Viens, Naki, viens. Merci. C'est dangereux, hein, on va pas rester ici. Bonsoir. Et là, on leur vole leur véhicule. Ah non, putain. Est-ce qu'on peut. Ah non, faut acheter des. Ouais, je sais. T'as de quoi ou pas? Oh, tu vous imaginez, oh, c'était pas prévu, mais imaginez la diversion. Genre, on leur pique les véhicules comme ça. Carrément. La. Attends, comment on appelle l'entreprise? Proposez-moi des noms. Des noms d'entreprise. Genre Mamanou Dépannage ou. Un truc comme ça. Je sais pas, Mamanou Dépanne ou un vieux jeu de mots sale, tu vois. Allez. Dites-moi. Mamanou des bananes. Monsieur, c'est un simple pour toi. Ma dépannage. Mama baguette. Non. Med, Mamanou, entreprise de dépannage. Ouais, stylé. Monsieur, la baguette dépanne. La baguette dépanne, ça. Ouais, tellement non, con. Dingue. Oh non, Mamadou Repartarou. Mamadou de Repartarou, ça c'est pas mal ça. Mamarou c'est bien. Mamarou c'est bien. Non, ce n'est pas lui. Ok, allez, on part sur Mamarou. La société Mamarou, nouvellement implantée dans l'agglomération d'Atira, vous propose ses services de dépannage rapide et sérieux. En ce moment, profitez d'une réduction de 50% sur le déplacement dans l'agglomération en réservant votre intervention sur internet avec le code promo. Le promo va mettre Mamarou. Ok ? En plus, le plus souvent, vous n'avez rien à payer, même pas la franchise. Vous n'avez rien à payer. Même pas la franchise. Allez, je vais mettre une petite étoile. Comme ça. Et là, je vais mettre. Valable. Uniquement si votre roue est plus petite qu'une caisse de PC. Qui est plus petite qu'une caisse de 2 euros. Voilà. Je pense que c'est pas mal. Pourquoi on va faire ça. All player, voilà. La société Mamarou, nouvellement implantée dans l'agglomération d'Atira, vous propose ses services de dépannage. Oh là là là.
Le dépannage rapide est sérieux. En ce moment, profitez d'une réduction de 50% sur le déplacement de l'agglomération en raison de votre intervention sur internet avec le code promo Monaro. Oui. En bah plus, vous n'avez rien à payer, même pas la franchise, valable uniquement si votre roue est plus petite que 2€. Moi, tu m'envoies un message. Ça, c'est bon. Dépanneur au garage d'Atira, please. Mon Dieu. Un client. J'ai envie de mettre la sirène, c'est genre en mode flic. Genre, on y va. Tony Montana. Je trouve que c'est un gros piège, parce que Montana, ça sent la mafia. Mais bon, on y va. Monsieur, bonjour, oulala, cherchez un gros accrochage, c'est. Vous avez certainement besoin d'un dépanneur. Je vais vous le réparer, alors bon, je procède toujours de la même manière. C'est la première fois que je le fais, mais on s'en fout. Ce qui se passe, c'est quand vous me payez la moitié du prix d'abord, je répare et la moitié ensuite. Comme ça, c'est bien. En fait, le problème, c'est que j'ai absolument zéro danger, il faut aller directement à la banque. Et voilà. Attends, ça coûte combien, mec? Ça coûte combien? Je sais pas. Attendez, je regarde là pour. Je fais le tour de votre véhicule, je vais vous dire pour combien j'en ai. Mais là, vous avez bien caché, hein. Comment vous avez fait pour faire ciel? C'est quand même du beau boulot, hein. On sortait du garage. J'allais à plus de 100 km/h, il est sorti. Oh là là, c'est pas possible, ça. Bah, écoutez, là, vous avez tous les deux besoin de réparation, quasiment toutes vos rues sont cassées. Bon, écoutez, j'estime, je vous fais un prix parce que vous êtes deux. J'espère que vous avez fait le constat d'assurance. Je vais vous faire ça à 11 000 €. Ouais, donc ça fait 5 500 € chacun. C'est pas cher. Hein. C'est parce que vous êtes ma premier client. Disais, je crois, le prix. C'est ça? Qu'est-ce qu'ils vont... Oh putain, les prochains clients, ils vont morfler au niveau prix. Hein. Monsieur, vous payer. Ah ouais, bon, c'est aucun pour le prix, monsieur. Mais attendez, vous avez vu la rapidité? Non, mais je suis d'accord, monsieur, ça n'a pas donné. Mais est-ce que vous avez vu la rapidité avec laquelle je suis intervenu? Ça, les concurrents ne font pas ça. Ah, 30 secondes, c'est vrai. Ah oui, attention. Hein. Et si jamais vous avez un problème avec votre véhicule dans les 10 minutes, je vous fais une réparation gratuite. C'est garanti. Je viens d'inventer, on sait pas. C'est comme dans Pizza, c'est pas? Ouais, c'est là comme la pizza. Si t'aimes pas la pizza, tu la recraches et tu la rachètes, c'est bon. Ok. Bon, vous voulez que je vous dépasse à la banque, hein, monsieur Tony Montana, ou vous êtes copain? Ben là, vous n'êtes pas voilà copain. Voilà mon ami. Il y a mon ami, monsieur. Bon, on va procéder dans l'ordre. Je vais réparer la... Vous pouvez réparer mon ami, monsieur. Monsieur, bonjour. Tu me déposes à la banque et puis on va faire ça, d'accord. Ça fera combien? Alors ça fait 5 500 $, monsieur, s'il vous plaît. Okay, par contre, il est rentré dans l'échelle, hein. Bon, on va regarder, Ouais, mais regardez, là-bas, il y a un petit tremplin. Ouais, c'est vrai, c'est ok, ici, c'est ok. On va le faire passer par-dessus. Il a pas fermé sa voiture, je crois. Non, mais tu crois quoi, que je vais voler la voiture de mes clients? Mon véhicule est ouvert. C'est sûr? Ouais. Attends. Couché. Bon, lui, il va essayer. En fait, c'est un bug du jeu. Putain! Relève-toi, abruti! Je vais chercher de l'argent à Tira et je reviens si vous avez un problème. Ah, ça, c'est un bon coup, hein. Petit carambolage impeccable, quoi. Ça se trouve, c'est Vous voyez, le secret de Mamaru Dépannage, c'est que nous coupons à travers champ. C'est complètement illégal, mais j'espère que vous gardez ça pour vous. C'est le secret de notre rapidité.
Oh, y a pas de problème, tant qu'il y a une petite réduction qui est faite derrière. Ah bah non, bah non, bah c'est trop tard, hein. Oh putain, y a de la fumée au garage, mais intéressant votre Bluetooth, on va bien l'acheter. Le mec qui voit sa voiture cramer au loin. Tiens, peut-être votre voiture qui crame, c'est sympa beau, hein. Non. Désolé, c'était une situation. Un surplus d'émotions, c'est dû au manque de café. Il faut pas attacher. Oh non, faut pas attacher trop d'importance à sa voiture, monsieur. Hein. Bon, sauf pour cette Laguna GT que j'avais eu moi aussi, que j'avais planté. La Laguna GT avec la peau d'échappement chromée, les jeunes 19 pouces que j'avais mis, avec les flammes que j'avais pas sur les côtés avec ma soeur. Et là, c'est ça, quand elle était cachée, c'était horrible. Ouais, c'est vrai, je comprends votre douleur, monsieur, c'est moi aussi, ouais, c'est vrai, ouais, putain. Pardon, désolé, j'ai l'émotion. C'est horrible, putain, moi aussi, vous me faites pleurer, arrêtez là. Wow, tout à fait normal. Oh, c'est une belle voiture, en plus. C'est votre véhicule? Non, c'est Dieu. Allez, il est là. Oh non, c'est pas mon véhicule, ça. Non, là, c'est bon. Vous inquiétez pas, c'est bon. Allez, là. Regardez, tout va bien. Oh, Inch'Allah. Non! On est mort. Oh, je pense que c'est une bonne fin pour ce live, les gars. Félicitations, c'était beau. Bag it.